Le Festival mondial de cinéma sauvage, c'est un festival qui va se dérouler en septembre, du 11 au 15 septembre, et qui en fait montre des films de tout genre confondu, toute année, tout pays de production. Il n'y a vraiment pas du tout de limite. La seule contrainte, c'est que les films doivent être libres de droit. Ça va être la seconde édition du festival. Il y a eu une première édition en 2017. Alors ça va se passer à La Cheminée. C'est un endroit qui se trouve à Forêt, 39 avenue du Bempt. Le noyau dur du festival, on est 6. Après, il y a plein de gens qui nous aident et tout ça. On est tous bénévoles. Et alors aussi, ce qui se passe durant la période du festival, c'est qu'il y a toujours un ordinateur présent sur le lieu du festival. Et les gens peuvent venir avec une clé USB, un disque dur externe, prendre tous les films qui les intéressent. Donc un film libre de droit, c'est un film dont le réalisateur accepte qu'il soit partagé. Alors après, le réalisateur peut dire « je ne veux pas que des images de mon film soient réutilisées, mais mon film peut être quand même montré. Je veux être prévenu si mon film est montré. » Donc il y a toute une série de contraintes. Mon film tombe dans le domaine public ou non. Donc pour rappel, c'est des films toute année confondue, tout genre confondu, tout pays de production, toute durée confondue, et aussi c'est ouvert à tout support. Donc s'il y a des performances qui incluent de l'image, on est complètement ouvert à ça. D'ailleurs, on a reçu des propositions de performances. Oui, aussi il y a des diapositives, on a reçu beaucoup de films en pellicule. Ça, on est assez surpris et content. Donc il y aura du 16 mm, du Super 8. On a reçu des films des années 70 par exemple. Donc des films qui ont déjà eu une vie, qui ont tourné dans tes festivals, ça leur permet de tout d'un coup avoir une seconde vie, d'être vus, sans cette contrainte de payer, de prévenir le cinéaste, de pouvoir faire ce qu'on veut avec des films. C'est vraiment des films très très engagés. Par exemple, on a reçu un film qui a été fait sur Plougoff, qui est un petit village en Bretagne. Et en fait, à Plougoff, il y a eu tout un mouvement en fait, contre des centrales nucléaires qui devaient être construites dans les années 70. Et du coup, ça a été plusieurs mois de protestation de la part de villageois. Et donc ça, c'est un film ancien, mais qu'on a reçu, et qui est clairement une volonté politique, et qui fait encore écho aujourd'hui. Nous, ça nous a frappé. Beaucoup d'anciens films qu'on reçoit sont encore intéressants à visionner aujourd'hui. Alors l'intérêt de voir ces films durant le festival, c'est que les réalisateurs essayent de venir en général. Donc ça permet des discussions, des rencontres. Pour travailler là-dessus, on a beaucoup discuté avec Constant, qui est une SBL qui travaille sur tout ce qui est open source. On a fini par créer différents critères, et donc les réalisateurs qui envoient un film doivent sélectionner des critères avec lesquels ils sont d'accord pour leur film. Nous, on trouve tous un intérêt à faire ce festival, dans le sens où on se pose des questions. On réfléchit énormément, on passe des heures et des jours à tout discuter. On nous a déjà reproché que le cinéma, on ne peut pas être bénévole pour faire des films, c'est un métier. On doit être rémunéré, donc pourquoi après distribuer gratuitement ces films ? Attention ! Cette caméra Supi 8 est radicalement open source dans sa conception, sauf le processeur du Raspberry Pi 0W et le module du capteur. Elle est aussi, on vous le garantit, totalement fais-le-toi-même dans sa fabrication. Durant le festival, il va aussi y avoir le Kino, qui avait déjà eu en 2017 et qui avait été vraiment très chouette parce que l'idée c'était de faire des films durant les 5 jours du festival avec des caméras faites maison, avec des logiciels open source. Donc tout était complètement fait main. Voilà. Et donc ça, il y a quand même une envie de refaire ça vraiment cette année. Il y a un autre projet en parallèle qui se fait avec Constant en ce moment, de créer, en fait l'idée c'est de créer une plateforme où tous les films libres de droit seront mis en ligne. Du coup, on n'est pas obligé de passer par le festival pour avoir accès à ces films. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.